Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Si vous voulez revenir à cette séance, je vais demander, vous êtes d'accord, madame la messière, de faire la paix. Oui. C'est pas du fonctionnement. Oui, oui, oui. Et vous pouvez avoir gagné 7 millions si vous voulez. Quand un budget de fonctionnement s'équilibre, juste s'équilibre, ou est en déséquilibre, vous pouvez avoir 7 millions, vous pouvez les dépenser rapidement et ne rien avoir pour 3, 4 ou 5 ans. Donc la question, c'est qu'il faut qu'un budget de fonctionnement
puis s'équilibre. Et avec les émissions des dotations de l'État, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à équilibrer le budget de fonctionnement. Non, ça je l'ai ajouté en plaisantant parce que je l'ai entendu tout à l'heure. Par contre, la partie M. Le Guay, moi j'y tiens. Je me dis que M. Le Guay, je ne sais pas si ça a été dit, qu'il était pour les cinémas, en particulier, est-ce qu'on a rajouté ça? Que pour les cinémas, il m'avait demandé dans le dernier mandat à ce qu'on fasse, pourquoi on ne faisait pas, on n'ouvrait pas la salle à écran 7, et à cet écran 7 était en mesure de pouvoir gérer le 3 salles de cinéma en termes de structure. Ça a été rajouté ou pas ça? Si ça y est pas, je voudrais que ça y soit. J'ai pas lu le rapport. Je vous fais confiance pour les relire. Pour l'Angers. Hein? Et pour l'Angers. Je n'ai pas compris. Ok. Ensuite, il y a les marchés. Allez-vous, bon, en dehors de ces modifications, d'accord? Les marchés publics, est-ce qu'il y a des observations à faire? Oui, concernant le... Pardon, excusez-moi. J'ai pas d'observation à faire, mais concernant la réunion d'appel d'offres auquel on a assisté sur les assurances que ont souscrit la municipalité. Bon, malheureusement, le chômage n'est pas là, mais il nous avait promis de nous apporter les renseignements suivants, c'est-à-dire le nombre de véhicules légers et le nombre de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ce qu'il faut savoir. Vous vous souvenez de ceux qui étaient à la commission? Attendez, c'est la prochaine libération, on en parlera ce matin. Ah, pardon, non, mais vous avez raison, c'est des libérations qui ont été prises de la commission, ça s'est réuni des commissions, et nous allons prendre, maintenant nous allons parler des libérations. Donc, par rapport aux décisions, il n'y a pas d'observation particulière. Donc, ensuite, nous avons la convention crèche couleur de veille. Madame Chantal Fischer. Mais on prend que c'est pas ça en plus. Oui, non, en fait, par rapport à la crèche couleur de veille, on réserve des places et on doit refaire un avenant tous les ans. Donc là, c'est ce qu'on fait, on renouvelle l'avenant pour 14 places pour la lessive qui a. Au lieu de 10. Alors, on avait 10 places d'office et on avait après demandé 4 places et c'était lié au nombre d'enfants et au projet qui pouvait se monter pour d'autres crèches. Et là, pour l'année 2017, vu les perspectives, on maintient les 14 places. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur, je l'ai lu la convention. Il y a une petite coquille parce que on parle de pour l'année 2016, le paiement s'effectuera en deux versements, c'est-à-dire 50% de la redevance annuelle au 1er janvier 2017 et le solde de la redevance annuelle au 1er janvier 2017. Alors, ma question, bon, en dehors de la coquille là, qui a été mentionnée de 2016, c'est pour quelle raison on est obligé de payer l'avance? Parce que c'est un paiement sur l'année. Donc on commence à payer le 1er janvier pour l'année en cours. Hein. On paye un semestre. Et après, au 1er juin, on paye déjà le deuxième semestre. Alors la question, tout simplement, c'est pourquoi on était obligé de régler l'avance. Ben, je crois que c'est une entreprise, si votre entreprise, elle a des frais, elle. En plus, elle a, mais on dit, comme nous, au niveau du social, elle a les aides de la CAP. Mais les aides de la CAP arrivent bien plus tard. Donc, en fait, la collectivité, l'aide, comme si on devait. On lui fait un petit avantage de trésorerie, quoi. Oui, en gros, ça revient à ça, si vous voulez, mais c'est pas. Okay. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Convention entre la commune et le fonds de dotation de la ville relative à la domiciliation du fonds de dotation, c'est-à-dire, c'est. Il convient de pouvoir sur la ville. Hôtel de ville. Bon, il n'y a pas d'objection. Ben, moi, j'aimerais comprendre juste parce que il existe, ils ont déjà un siège social, non? Ça n'avait pas été régularisé à l'époque. Ah, c'est pas bien. Et
Ils ont besoin de locaux. Alors, attendez, non, non, mais il n'y a pas de locaux, ils réunissent tout. Ben, non, mais le deuxième, il y a juste... Monsieur Marc, monsieur Marc, excusez. Oui, alors, en fait, je demande au commissaire au compte, je demandais si une convention dédiée soit faite pour initier le fonds de dotation sur la commune, puisque la commune est à la fois au conseil d'administration par le conseil municipal et bénéficie parfois, notamment par le CSAS, de subventions du fonds de dotation. Pour clarifier les relations qui unissent la commune et la commune et le fonds de dotation, il y a une nécessité de réactualiser les conventions et d'en faire une dédiée à la domiciliation, c'est la première. Et une seconde, pour la mise de locaux, qui ne sont en fait que de près d'une salle, le temps de la réunion du conseil d'administration. Voilà. Ce n'est pas un local à deux mains, c'est juste pour que le conseil d'administration est un lieu qui se réunit. Et ce sont les deux conventions qui se suivent, de toute façon. Donc, sur ces deux conventions, y a-t-il une observation à faire? Non? Vous êtes d'accord? Je vous remercie. Convention entre la commune et la caisse primaire sur l'alternative à la mise à disposition de locaux. Bon, ça, c'est des renouvellements, hein. Je suppose que vous n'êtes pas contre. Par contre, en mission de non-valeur, budget communal, principal commune, on voit quand même qu'on est avec 1 909,56 € de 47 et 11 960,62 € quand la mise en non-valeur. Donc, il faut être clair, la moitié, plus de la moitié, correspondent à des mises en fourrière qui ne sont pas réglées. C'est-à-dire que les plaisançois râlent parce qu'il y a des voitures qui sont abandonnées dans le coin. Mais il faut savoir que ça nous coûte très cher. Alors j'avais essayé, je rêvais un petit peu, de dire, parce qu'on est obligé de la mettre en fourrière, comme personne ne vient la réclamer, après, au bout d'un certain temps, elle part à la casse. Alors je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une convention avec la casse, une casse qui les garderait pendant un ou deux mois à côté, là, ça les touchait, ça les désossait, et après, les désossent. Non, mais c'est pour faire travailler tout le monde, on n'a pas le droit de le faire. Ça nous coûte très cher. Hein? Oui, mais je... Non, mais attendez, parce que le problème, c'est que on en rappelle, on file l'argent à la fourrière pour rien. Alors qu'on sait pertinemment que ça va finir à la casse et que personne n'est mal réclamé. Mais c'est la loi, je suis le règlement. Donc, c'est une valeur, donc de toute façon. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous voyez, enfin, je vois, il y a deux mois que j'ai essayé de trouver une solution, je ne pensais pas qu'elle sortir. J'avais tout bloqué, mon bureau, parce que ça m'a. Rénovation des garages publics avenue Lindfield, rue des Roses, des Iris et des Hortensias. Alors là, c'est Martin Comas qui en parle, mais qui est malade ce soir, donc il ne pourra pas être là. Il n'est pas là. Avez-vous alors là, j'avoue, si vous posez des questions sur les guirlandes, et etc., je suis un peu embêté, mais... dépôt de 43 ans sans décrage vétuste et mis en dépôt au service technique du matériel récupérable. En fait, c'est pour mettre, je pense, aux nouvelles normes, les moins économes, qui n'éclairent pas la lune, etc. etc. Pas d'objection. Cession de biens réformés, autorisation de mise aux enchères en ligne avec le site internet Ago Rastor. Tout simplement, si vous voulez, lorsque nous avons du matériel qui est vétuste, on le change. Alors, pour être clair, on a choisi de vendre aux enchères parce que c'est vrai qu'on a normalement les employés qui ont des amis, qui voudraient récupérer le matériel. Et pour qu'il n'y ait pas d'histoire de ce type-là, on met le matériel qui est vétuste aux enchères et ça s'est acheté aux enchères. Je ne veux pas qu'il y ait l'histoire de... Pas d'objection? En dehors des 10%, il n'y a pas d'autres frais à payer. En dehors des 10% que l'Agora Store prend, il n'y a pas de frais en plus Non, non, il y avait deux solutions. Il y a une autre société qui, elle, vous facture à chaque vente des frais. On a fait le calcul, le fait d'avoir un pourcentage nous rapportera un peu plus d'argent. Ce type de matériel, on n'est pas censé le reverser au domaine, ça marche comme ça. Non. On le sort dans notre domaine, justement. Ouais. Et parce qu'il nous appartient, il appartient pas au domaine, on n'est pas à l'État. D'accord. Par contre, il faut l'enlever du. Il faut l'enlever de notre domaine. Oui, il faut l'enlever de notre patrimoine, mais du coup, on peut.
Pas d'objection ? Excusez-moi, une dernière question. Ça, vous évaluez à combien à peu près d'offres par mois, à peu près en moyenne, ça va ça représenter quoi à peu près ? €8 000 sur l'année, je crois. 8 000 €. Attribution du marché d'assurance de la vie. Alors, c'est justement par rapport aux assurances. On m'a donné un papier là. On payait en 2016 86 290,87 €. Au loin, hein. Dommage au bien. Attends, j'ai le total. Alors, on payait 131 634,03 €. Total annuel. Et cette année, on va payer en 2017 102 001,44 €. C'est vrai que c'est une diminution qui est de 22%, mais ça dépend en fait du nombre de sinistres. Parce qu'il faut savoir les assurances. Et il faut savoir également que le nombre de véhicules assurés est passé de 68 à 59. Si tu l'as, tu peux pas supprimer le nombre de véhicules aussi. Tu en verrais l'autre aussi, je ne sais pas le nombre. Par contre, je n'ai pas le nombre de camions. Enfin, le véhicule assuré, quand on voit le véhicule assuré de 68 à 59, c'est y compris le camion. Il y a l'ensemble des véhicules. Avez-vous des questions supplémentaires par rapport à cette révolution du marché de la ville ? Assurance ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Juste, on va demander à M. Comas ce qu'a demandé M. Malherbe. Des véhicules. Pardon ? 58 véhicules. Ah, c'est pardon ? 58 véhicules de véhicules. Il y en avait 68 avant, il y en avait 59. Il y a les camions. Non, mais une baisse du nombre de véhicules assurés de 68 on passe à 59. Ça comprend aussi la balayeuse, tout ça, ça comprend la balayeuse. Ça prend tous les véhicules, tous les véhicules. Tout ce qui roule, tout ce qui est assuré. Prestations de services, service à la jeunesse de la ville, accueil collectif et prévention. Justement, quand on parle de. Vous avez entendu les jeunes aussi tout à l'heure, c'est le problème de la prévention et tout dans les écoles. Et là, c'est pour ça qu'on a insisté. On a, au niveau du point jeune, de pouvoir assurer davantage. Enfin, on le ressent bien d'ailleurs. C'est que le point jeune, les enfants qui ont plus de 11 ans, ils sont demandeurs d'ateliers, qu'on n'a pas dans les centres de loisirs. Parce que les centres de loisirs, c'est à la journée. Tandis que pour monter des ateliers, donc. On peut avoir des données différentes de nature. Et justement, on a au niveau du point jeune fait en sorte qu'ils puissent prendre des intervenants pour monter des ateliers et renforcer aussi le côté prévention. Donc, quand on va parler tout à l'heure des ASEM, on peut considérer que les ASEM, on ne fait pas du mal, on ne joue pas contre les écoles parce qu'elles ne sont pas plus mal. On est dans des situations encore favorables quand on a un bras de commune, mais surtout on met l'argent aussi au niveau de la prévention et au niveau du point jeune. Avez-vous des questions dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Non, parce que sur ce, comme la société le présente, c'est une délibération déjà qu'on a déjà vu en conseil municipal. Ouais. Donc, à l'époque, on n'avait pas voté déjà parce qu'on avait expliqué pourquoi on ne votait pas. Par vos personnels. C'était un mouvement de personnel. Donc, on fait la même chose. Par là, on refuse. Modification du taux d'effectif. Modification du taux d'effectif en semaine de grade. Donc, c'est idem. On avance comme ça. Alors, par contre, ce qu'on avait vu en comité de commune, c'est qu'on avait marché trop vite par rapport au statut pour le PLUI. Donc, en fait, il faut qu'on retire deux délibérations et qu'on modifie. Attendez, moi j'ai dit depuis 6 heures que je suis là à y expliquer, c'est un peu plus loin.
Non, dans la délibération de la, comment dire, de la communauté de communes, le PLUI avait été laissé, et donc il faut retirer la délibération qui a été votée le 7 septembre et qu'on en reprenne une autre avec les nouveaux statuts, en enlevant plan local d'urbanisme, document d'urbanisme, en tenant lieu de carte communale, tout simplement. Donc c'est retrait de la délibération et approbation par des nouveaux statuts. Il y a des questions ? Non, non, non. Mais vous savez très bien que les villes communes, et vous avez une explication, ne veulent pas du PLU. J'ai encore dit hier, je vais dire sur le PLH, je trouve que c'est une hérésie, mais c'est comme ça. Bon, nous passons au vote. Qui est contre cette retrait de, enfin, ce retrait des délibérations et le vote ? Qui s'abstient ? Tout le monde d'accord ? Je vous remercie. Et après, il y avait des questions diverses et variées. Est-ce qu'on les voit maintenant ou est-ce qu'on les remet plus tard ? Parce que, on va les voir maintenant. On les a déjà reportés le mois dernier, alors on ne va pas les reporter éternellement. Allons-y. Ramassage des déchets végétaux. Alors là, j'ai vu un texte, mais il n'y a que trois. En fait, c'est les jours fériés, mais je crois que contrairement à ce qui est marqué, c'est pas 2 semaines, c'est 3 ou 4 semaines. Merci. Et nous ne sont pas été ramassés. Sur rien un jour férié, on est bien d'accord, sur rien un jour férié dans la semaine, il n'y a pas de ramassage. Ce jour-là Non, il n'y a pas de ramassage dans la semaine. Il est reporté à la semaine suivante. Non. Si. Pour tous les déchets verts. Pour les déchets verts, oui. Pour les ordures ménagères. Ah non, mais je ne parle pas des. Là, on ne parle pas d'ordures ménagères. De déchets végétaux. Là. Et oui. Pourquoi? Parce que. Je vois ce qu'on a eu dans les ménagères. Allez-y, intervenez, Pascal. Juste pour vous dire, s'il y a 2 semaines de suite, comme ça va être le cas pour le 8 mai et le 1er mai, automatiquement, il y aura un ramassage la deuxième semaine des déchets verts. Il n'y aura pas 3 semaines sans déchets verts. Il y aura une semaine, la première semaine sans déchets verts, et la semaine d'après, il y aura quand même un ramassage. Voilà. Non mais ok, bon, l'essentiel c'est que la population soit au courant, quoi. C'est ça la... Ah, généralement c'est sur le site internet de la commune. Et à partir du 1er janvier, vous aurez dit à CST, ce sera le suivre. Non mais pourquoi la question est posée? Uniquement parce que, si vous voulez, en gros, les gens, le seul fait qu'ils ne soient pas ramassés la semaine où il y a un jour férié, il n'y a personne, enfin personne, j'exagère un petit peu, il n'y a pas la moitié des gens qui le savent. Alors peut-être qu'il y a effectivement, comme vous le dites, sur le document de la CCST, en minuscule, il y a marqué les jours de rattrapage, mais sinon la population, elle n'est pas au courant, il n'y a pas de ramassage la semaine où il y a des jours perdus. C'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, mais il me semble que c'est marqué dans ce pote, hein, parce que moi, mon voisin l'a lu. Ah oui, mais alors, expliquez-moi, quand il y a un jour férié, pourquoi les poubelles, toutes les conteneurs de déchets verts restent au moins une huitaine de jours dehors. Parce que les gens, ils attendent éternellement qu'il y a un camion qui passe. En début d'année, on reçoit aussi une note en avec les fériés qui explique qu'il y a un décalage. En fonction de ça, donc l'information du président. Oui, ça, mais bon, déjà, c'est écrit, bon, c'est pas pour dire, mais c'est écrit déjà en principe. Non, mais écoutez, je crois que vous avez raison, on n'empêchera pas les gens qui ne lisent pas ou qui ont oublié de lire. C'était, et on se retrouve, c'est vrai, avec des conteneurs qui ne sont pas sortis forcément le jour férié, mais le lendemain, on se dira, en se disant, ils passeront, mais on le retrouve le lendemain, et sur le lendemain. Mais je ne sais pas comment faire pour. Il faut leur dire clairement que la semaine où il y a un jour férié, il n'y a pas d'ambassade. Il faut leur dire tout simplement, quoi. C'est simplement qu'on fait un raccourci, puisque moi je le fais aussi parfois, que par rapport aux ordures ménagères. Les ordures ménagères, c'est si ça tombe un jour férié, elles sont ramassées le lendemain. Ouais, sur le lendemain, donc c'est vrai mais que je pense que fais l'amalgame avec les déchets verts. Mais j'insiste que c'est les déchets végétaux, hein, je ne parle pas d'ordures ménagères. Mais c'est ce que je dis, c'est faire l'amalgame entre les deux. Par contre, c'est vrai que moi j'ai connu où c'était ramassé le lendemain, je ne me rappelle plus quelle année, mais l'origine de cette décision, qu'ils ne soient plus ramassés. Est-ce que vous pouvez nous... Je vais vous dire, hein, c'est que vous savez très bien qu'on est en train quand même en partie de diminuer aussi les services, hein, puisqu'on a diminué quand même depuis 5 ou 6 ans de la taxe qui était à 16%, mais passé qu'à 14%,
déjà important, simplement en serrant les vis. C'est-à-dire que quand par exemple il doit passer les déchets verts le mercredi, si c'est le mercredi est férié, le jeudi, il y a des tournées, pour les, soit pour les incorporés, pas d'accord, pour le. Les cartons, pour le tri ou pour les ordures ménagères sur les communes. Non, et les camions, ils ne peuvent pas être à des endroits. Non, mais ça, je conçois parfaitement. Mais pourquoi ça fonctionnait avant? Avant, il y avait un ramassage qui était rattrapé dans la semaine. Et parce qu'on avait beaucoup plus de camions, beaucoup plus d'employés, comme on prenait davantage de monde. C'est tout. On mettait davantage d'équipes en place. Il y a une équipe aussi. Moi, je voudrais rebondir sur ce sujet. Parce que on vous a envoyé une question pour la CCST, puisque c'est la CCST qui s'occupe de ça, une question écrite, puisque les conseils de CCST ne sont pas enregistrés. Et la dernière fois, on vous a demandé un point très précis sur la situation du ramassage des déchets en général. Parce que quand même, on s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements, notamment, enfin, moi je vous ai envoyé des photos à longueur de temps là sur le centre-ville. C'est comme ça que j'ai appris que les grosses poubelles du centre-ville ne sont pas ramassées par le patient SCCST, mais par le groupe Suez, un groupe privé. Encore aujourd'hui, apparemment, les grosses poubelles là, du centre Saint-Nicolas, elles ont été donc ramassées le lundi par Suez. Eh bien, allez-y voir en sortant, vous allez voir dans quel état c'est. Quoi. Alors, s'ils n'ont pas un balai et une pelle, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils servent. Et donc, j'aimerais avoir des détails, enfin, nous aimerions avoir des détails sur le contrat qui a été passé avec Suez. Qu'est-ce qu'il leur est demandé? Combien ça coûte? Et les gens nous posent beaucoup de questions sur les poubelles, mine de rien. Et ils payent donc la taxe des ordures ménagères. Donc dans la question qui vous a été envoyée à M. Crène et à vous, pour la CCST, ben, ce serait bien qu'un jour on ait une réponse sur la gestion des déchets en général. Ok. Je pense quand même, entre nous et le board, c'est que Suez, comme n'importe qui, a une convention qui dit qu'il prend les containers et qu'il les vide. Il n'est pas là avec un balai pour nettoyer le chez nous. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, il faut prévoir quelque chose. Parce par qu'on contre, peut pas est prévu normalement la CCST. Est prévu normalement la CCST une équipe qui vient faire un nettoyage. Non, mais qui le. C'est bah, allez-y voir aujourd'hui en train. Je sais, j'ai vu. C'est atroce, quoi. Et c'est encore plus simple qu'avant qu'il ramasse. C'est vraiment atroce. Et c'est pas le seul endroit. Du côté des chaussures du château, les commerçants, ils en ont marre parce qu'ils nettoient eux-mêmes à la fin. Tellement c'est dégoûtant. C'est pas normal, quoi. Parce que c'est un métier comme un autre, c'est un métier très important pour une ville. Il faut que ce soit fait correctement. Mais il faut quand même un service, il faut avoir le balai et la pelle et tout à côté. Et ça, je suis désolé, mais même si ma poubelle se renverse, à côté de moi, chez moi, l'équipe des espaces ne va pas me ramasser à la pelle et voilà, ils n'en ont pas. Hein. Ils ramassent et ils vident la poubelle. Ouais. Et après, on a une équipe normalement. Alors là, il ne faut quand même pas exagérer. Enfin, moi, je viens d'une autre région, là où habite ma mère. Ben, quand ils sont passés, il n'y a rien par terre. Eh bien, écoutez. Pourtant. Vous êtes le sud-ouest. Pardon? D'abord, peut-être que. Ben, c'est aussi le sud-ouest. Excusez-moi, peut-être pour ce que vous êtes. D'où vous êtes, il y a peut-être aussi davantage de civisme des gens. Parce que figurez-vous que normalement, les poubelles qui sont là, ce sont des poubelles qui sortent uniquement pour les commerçants des quatre appartements qui est là. Or, qui c'est qui passe? Il y avait des déchets végétaux avant-hier. Qui c'est qui passe? C'est tout le monde qui y passe. Souvenez-vous, quand on avait des peines à Plaisance... Et c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre un signe pour expliquer... Vous avez juste mis un panneau poursuite en cas de ceci, mais les gens, ils n'en ont rien à faire. Eh bien, il faut mettre une caméra. Il y a plein de villes qui passent, qui font ça et qui poursuivent les gens qui mettent des déchets. Parce que c'est pas... On peut pas... Les gens sont dégoûtants, mais on peut pas dire, ah ben, ils sont dégoûtants, on peut rien faire. Il faut faire quelque chose, quoi. On peut pas laisser une ville... Surtout, c'est une ville... Il y a plein de gens qui passent sur cette avenue, vous voyez que ça. C'est dégoûtant, quoi. Pour l'image de la ville et pour l'hygiène aussi, hein. Je sais bien. Bon. Dans le fichage livret spéciaux. Alors, vous savez que pour les élections électorales, normalement, on n'a pas le droit d'afficher, si j'ai bien mon texte, on n'a pas le droit d'afficher nulle part, à part sur les panneaux électoraux. Vous voyez, hein, je voudrais. C'est, on a pas,
c'est pas non spécifique. Vous n'avez pas, aucun parti normalement n'a plus le droit de couvrir sous les arbres comme on n'avait pas obtenu, c'est vrai. C'est des panneaux de libre expression, alors. Hein? C'est marqué libre expression. Mais normalement, les affiches de l'ordre des campagnes, vous avez à afficher que c'est les panneaux électoraux. Vous n'avez pas la possibilité d'afficher des campagnes. Donc, il faut retirer tous les panneaux qui restent. Non, mais attendez, pour les panneaux, ils ne sont pas forcément pour les campagnes politiques. Ils sont à ce moment-là pour des activités, des manifestations. Ouais. Mais pour les campagnes électorales, théoriquement, on n'a que les panneaux électoraux, la possibilité pour afficher. Là, c'est pareil, c'est pas simplement à Plaisance, mais partout, c'est pas vraiment. Mais je ne vais pas mettre des panneaux électoraux. Autant des colonnes d'affichage pour les expressions, les expressions, on pourrait dire des citoyens, etc. On peut en avoir davantage, mais pas pour les campagnes électorales, puisque normalement c'est interdit. C'est pour ça que la dernière fois, au régional, ils les ont collés sur l'enclos qui contenait les poubelles, parce qu'il n'y avait plus de panneaux. Ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit. Normalement, on peut mettre les amendes. Je ne vous ai pas chier. Je crois, mais il y avait la cabine téléphonique aussi qui était en face, là, sur le boulevard des Capelles aussi. Pendant un moment, elle était remplie d'affichages électoraux. Hein. Pour les plus anciens, quand je m'occupais un peu de campagne électorale, j'interdisais aux équipes d'afficher en dehors des panneaux électoraux. J'avais horreur de ça sur les arbres, je disais là, je trouvais ça scandaleux à l'époque. Ah, mais sur les arbres. Et, non, à l'époque, c'était sur les arbres, c'était partout. C'est scandaleux. Ou sur les trucs des EDF, sur les portes des bâtiments des EDF, les traces de compagnie, je trouve ça déplorable. Et je vois, quand je monte, même quand je vois l'affiche de ceux qui me sont proches, ou d'autres qui ne sont pas proches, après le truc de l'eau colline, là, le rond-point de colline, il y a deux ou trois trucs, alors on voit tous les partis là, qui mettent, ils sont contents, ils ont affiché là. Bien. Je trouve ça scandaleux. Ouais. Horrible. Il aurait de ce qu'il n'a pas. Alors, vous répondez pas avec. Mais c'est pas pour des affiches électorales que je vous mette davantage de panneaux. Non, mais il y en avait. C'est pas en mettre davantage. Il en existait. Pourquoi ils ont été retirés, tout simplement. C'est Nicolas qui est ici. Oui, c'est Nicolas, il y avait un panneau. Oui, il y en a pas. On va avoir un échange. Non, mais il a été retiré. Hein. Comme je suis contre, je ça ne m'a pas manqué. Non, mais moi non plus, ça ne manque pas. Le but, c'est de savoir pourquoi il a été retiré. Quoi. Non, mais ce n'est pas une volonté de. Ok, ensuite, chemin de pose de farine. Bon, alors, pour être clair, dès le mois de. Comme j'ai vu que ça ne pouvait pas avancer, j'ai pris un avocat, maintenant. Cabinet Brissot, au mois de juin ou juillet, et j'attends, on a la tasse régulièrement, c'est pas important pour elle, et j'attends un rapport de madame le maître Brissot, donc on va renseigner, il sait chez elle qu'il y a un dossier pour régler le problème. Oui, mais il y a un objectif quand même au niveau du temps, parce que maintenant, si on demande aux avocats de se retrouver, il faut quand même se fixer un objectif pour savoir quand est-ce que ça va terminer. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai attendu 6 mois, 8 mois à essayer de voir les moyens de négocier l'échange de compagnie. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai envoyé plusieurs courriers. Je n'ai pas eu de réponse à ces courriers. Donc j'ai décidé, au mois de mai, juin, d'envoyer, de prendre un avocat. Et c'est Maître Brissot, Madame Brissot qui va. Qui est non-officier. Mais comme elle a différents dossiers pour nous aussi encore, donc on va la rappeler à nouveau. Non, parce que bon, simplement la remarque, c'est que si c'était un autre citoyen de la commune, si s'approprier du domaine public comme ça du domaine privé, pense que soit la gendarmerie ou la police municipale serait passée plus longtemps. Écoutez, excusez-moi, hein. Si ça existe depuis peut-être un siècle, ce genre de ce truc-là, parce que ça a toujours été comme ça. Ceux qui même les plus anciens des villages, ceux qui ont 70-80 piges, ils m'ont dit, mais c'était comme ça, on a toujours eu comme ça. Donc, ce n'est pas de notre fait, ça a toujours été comme ça. Vous avez soulevé cette question. La personne en question m'a dit attention. Il y a d'autres chemins comme ça qui sont aujourd'hui, soi-disant, mais il ne m'a pas donné le nom,
notre chemin qui sont aussi quand même nos figurations. Sauf que ce chemin, il a disparu du plan municipal. Mais c'est quand même un point très intéressant. Je vous promets que ce n'est pas. On ne veut pas. C'est intéressant quand même. Oui, mais je peux. De toute façon, attendez, ce n'est pas un problème de disparition, c'est un problème de cadastre. Tout terrain où il n'y a pas un numéro de cadastre appartient normalement à la collectivité. Attention, à moins qu'il y ait une erreur de cadastre. Donc, il n'y a pas de numéro. Alors, soit la personne pouvait, mais il ne s'agit pas de trafiquer un truc provisoire, puisqu'il n'y a pas de numéro de cadastre. Soit c'était un vieux truc et on pouvait retrouver dans des documents, c'est ce qu'on a demandé à la personne, dans des documents anciens lors de 1700 ou 1800 et quelques, parce que les ventes sont faites entre je crois qu'ils sont depuis 1800 et quelques. Mais est-ce qu'il y a des documents qui montrent que la propriété avait été vendue avec ce terrain ou pas? Et que le cadastre, parce qu'il y a des ordres de cadastre aussi. Effectivement, quand je vais sur les mots, vous appelez ça un terrain, mais au départ, c'est quand même un chemin, quoi. C'est une parcelle. Oui, une parcelle, mais enfin, d'après l'histoire là, qu'on a lue, c'est que ça servait quand même à porter la farine au moulin, quoi. Enfin, à porter le blé au moulin, quoi. Mais ça pourrait être aussi, si vous voulez, quand vous êtes un bon commerçant, ça pourrait être aussi de laisser passer les gens sur votre propriété pour qu'ils fassent un raccourci, parce qu'il y a un chemin à côté. Entre nous, attendez, au lieu de faire le détour, je ne sais pas, hein, mais vous pourriez aussi, en termes de bon commerçant, dire, mais vous passez sur ma parcelle pour venir porter votre farine, pour faire le détour plus loin. Donc, c'est pour ça que, là par contre, j'ai dit, parce que quand j'ai vu quand même qu'il y avait une réticence de la personne, qui ne voulait pas, qu'elle m'aurait apporté les preuves d'acte notarié, moi ce que je pensais d'ailleurs, elle me portait les preuves. Déjà, de toute façon, j'ai les preuves, c'est à nous. Bon, j'ai pas de preuves. Donc, je mets un avocat. Bon, d'accord, donc on prend note qu'il y a un avocat qui est mis. Alors, quand est-ce qu'on se fixe un délai pour reparler de la question? Mais allez, dès le moment où l'avocat, on va relancer l'avocat à tes compagnies, voilà, ça fait deux ou trois fois que je demandé à M. le directeur de le relancer, qu'il le relance, la déception, mais on en a parlé, je crois. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, la question qu'on a, c'est à partir de l'ancien SILEX, là, ce dossier aussi, compte tenu qu'au 1er janvier, des choses passent, tout ce qui était, par exemple, la zone de Bourgogne et la zone de Rivière et compagnie, tout ça, ça va passer à l'intercommunalité des zones industrielles. Donc, il a fallu calculer, même nous, les candélabres et compagnie, qui devenaient communs dans la zone commune, à l'intercommunalité. Tout ce qui est domaine économique passe à l'intercommunalité. Donc, et sur ce dossier-là, l'en avoir d'autres, à mon avis, et puis, il paraît plus important. Moi. Mais je disais ça surtout, c'était pour éviter de reposer cette question-là en question judiciaire. Je tiens à ce qu'on fasse toute la vérité et qu'on ait les éléments tout à fait. Quel est le devenir de la maison Pirlo? Quel est le devenir de cette maison acquise par la municipalité et qui va être acquise demain de la société coopérative? Ça va se passer dans un futur programme immobilier. Écoutez, ça, on vous répondra d'ici peu. Quand on aura, je vous l'ai dit, qu'on ferait un projet de tout ce qui est, projet sur la ville. Ce sera au moins au minimum, au moins du budget. Ce que je vous avais dit qu'il y avait.